الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده ربه ووليه ومولاه فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اهدنا فيمن هديت وبركة هذه الكلمات وبركة هذه الدعوات وبركة هذه النفحات وبركة هذه الوجوه الطيبات بركة كل حاضر وحاضرة بركة الحاضرين والحاضرات اهدنا يا مولانا فيمن هديت بمن هديت مع من هديت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف وارفع وادفع عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا ووليّنا ومولانا وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا أرحم الراحمين رب العالمين الحمد لله. Lorsque je rentrais dans la salle, je méditais sur la pluie qui tombe. الغيث الله سبحانه وتعالى والغاب ما لا jamais appelé مطر. لا appelé toujours غيث. لا appelé toujours de la salvation, source de vie. Je méditais sur le Ghaïf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Min as-sama'i ma'an fa'asqaynakumuh » À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'eau, il parle de l'eau convenant de sama', convenant d'au-dessus de nous. D'ailleurs, c'est la source de toute la provision. « Fa'as-sama'i rizqukum wa ma tu'adou » Et dans le ciel, il y a votre provision et tout ce qui vous attend. Le sujet de primordialité ou de l'estardade fitri, la ilaha illallah, la capacité des hommes primordiales, ou la préparation primordiale pour recevoir la révélation, On ne parle pas de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète, mais on parle de l'inspiration pour recevoir la connexion divine. Allah subhanahu wa ta'ala donne une description avec la terre. Vous regardez, vous voyez la terre en état de khushua. La terre khashi'a, en état de khushua. Allah parle de la terre. Mais à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la terre, comme Imam Qurtubi et plusieurs ulama, ils ont dit que tu peux comprendre la terre et tu peux aussi faire allusion au cœur. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la terre dans le Coran, tu peux faire un parallèle avec le cœur. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'eau qui descend du ciel, tu peux faire un parallèle avec la révélation, avec l'inspiration divine. Ça, ce sont les ulama de tafsir. Lisez le Coran avec ces yeux-là, et là, vous allez voir des portes vont s'ouvrir pour vous. Des portes de compréhension vont s'ouvrir pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tara al-arda khashi'a » Vous voyez l'état de la terre en état de khushu'a, en état, cet état de capacité primordiale, « Estadat fitri », elle est en train d'alerte, en état de khushu'a, elle est prête pour recevoir quelque chose. Lorsqu'on fait descendre l'eau sur cette terre-là, elle bouge, elle reste pas. C'est pas comme la roche. La roche, tu fais descendre l'eau sur elle jour après jour. Ça va faire juste dépoussiérer la roche. À un moment donné, après ça, ça va commencer à creuser dans la roche, tout simplement. Mais l'arud, après ça, elle commence à gonfler. Après ça, elle commence à faire pousser, même que les aujimbehij, à faire pousser des fruits, à faire pousser des légumes, à faire pousser des choses extraordinaires. C'est comme ça l'état des cœurs, mes chers frères et sœurs. C'est comme ça l'état des cœurs. Si on vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec des cœurs qui sont en état de khushu'a, qui sont en état de
de réceptivité, jazakallah khair, fathallah alayk, inshallah, tout l'arifin. De réceptivité. D'ailleurs, c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer ses enseignements, souvent il répète ce dua-là, cette prière-là, Allahumma nas'aluka fahma nabiyyin. Oh Allah, je vous demande fahma nabiyyin. Je vous demande la compréhension des prophètes. Wa hifz al-mursaleen. Et la protection des messagers. Al-hifz min al-sayyid, al-hifz min al-dada'at ba'd al-huda. الحفظ من الزيف بعد الرشاد الحفظ من الاعوجاج الحفظ من الطغيان لانه ممكن تطغى حتى في القران نفسه اه اي لا بروتيكسيون دي ميساجي لا بروتيكسيون دي زيكزاجيراسيون لا بروتيكسيون دي دالي ا دروات و ا غوش اه دي ديفياسيون اللهم صل كفاه من النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين الانسبيراسيون كو فو دوني اوز انج رابروشي. C'est ça exactement la capacité ou la réceptivité initiale dont on s'est dit, Sami, vous parlez tout à l'heure. Fahma nabiyyin, fahma nabiyyin, istadat, fatih, hada, kufl, insan. Et puis, cette capacité, cette réceptivité-là, on la cultive. On la cultive. On la cultive avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on la cultive avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On la cultive avec la bonne conduite, on la cultive avec la méditation. Et nous faisons tout simplement l'art de télévérer le nom de l'ayat. Les ulil albab, qui? Les intelligences. Qui sont les intelligences? C'est quoi la définition de l'intelligence dans le Coran? Al-Dina al-Kulun Allah. Ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout, sur tous les états ou dans tous leurs états, qu'ils n'ont pas eu de nom à la genoube, et puis là, ils méditent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils font tout simplement l'art. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما سبحانك فقنا عذاب النار. Oh notre Seigneur, vous n'avez rien créé pour rien. Vous n'avez rien créé pour rien. Il n'y a pas une seule chose que vous avez créée, ya Rabbi, que tu as créée pour rien. Subhanallah. Subhanallah. Fahm al-Nabiyyin. Donc on commence avec cette prière-là. Et Allah, nas'aluka fahm al-Nabiyyin. Là, tu ne vas pas devenir un prophète. C'est une sunna, c'est pas seulement le prophète qui faisait ce dua-là. Pour lui, il a eu, effectivement, dans le verset Fabi Houdaï en Mertadé, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah Fabi Houdaï en Mertadé, dans Sourate l'An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la majorité de ses messagers et de ses prophètes qu'il a mentionnés dans le Coran. Je pense 23 ou 28 parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés l'un après l'autre. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux gens-là que Allah a bien guidés. Fabihudaam iqtadeh. Donc, suis leur modèle, suis leur exemple. Donc, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il a eu fahm al-nabiyyin, ihfz al-mursaleen, ilham ulaikat al-muqarrabin, dans la totalité. Pour nous, on peut avoir fahm al-nabiyyin aussi. On peut être connecté à leur fahm. On peut être connecté à leur compréhension. Fahm al-nabiyyin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fahm al-nabiyyin. Fahm al-nabiyyin. Laisse fahm al-za'irin. Laisse fahm al-mu'tadin. Laisse fahm al-mutakabbirin. Laisse fahm al-shayatin. Parce que même les shayatin, ils comprennent. Ils comprennent très bien d'ailleurs. Des choses, comprend les états de faiblesse de l'être humain mieux que. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais on veut fahm al-nabiyyin. On veut the understanding, on veut la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète, fahm al-nabiyyin. Wa hifz al-mursaleen, et la protection des messagers. Wa ilham al-mala'ikat al-muqarrabin, et l'inspiration des anges rapprochés. Amin. Et puis on ajoute à ça deux autres prières que un des salihin dit toujours, wa futuha al-arifin wa tawfiq al-salihin. Futuha al-arifin wa tawfiq al-salihin, les ouvertures que vous donnez à ceux qui vous connaissent, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbil Alamin, et le tawfiq, le succès que vous donnez aux pieux, tawfiq al-salihin. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala ni wafiqna wa iyaakum tawfiq al-salihin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous, inshaAllah, توفيق الصالحين
آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Avant juste de finir l'introduction, Sidi Salmi a mentionné une très belle histoire. Juste pour la dire exactement comme elle était. Rabbana wa lakal hamd, c'était exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba, a enseigné aux compagnons de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Mais un jour, un compagnon, il était tellement dans un état d'extase spirituelle. Et puis pour ceux qui disent qu'il n'y a pas cette terminologie-là, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle extase spirituelle, là on peut débattre ce sujet-là, on peut aller lire le Coran ensemble avec des yeux, avec des cœurs, ok, hein? Et puis on peut aller lire les hadiths, lire la sirah, on va voir des moments d'extase spirituelle, subhanallah, ok, que les compagnons ont vécu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, ce compagnon-là, il se levait tellement il s'est senti dans un état de hamd. Hein? Il a goûté au hamd. Il a goûté à ce que ça veut dire Rabbana wa lakal hamd. Il a goûté à ce que cela veut dire Ya Rabbi, merci. Ya Rabbi, je te remercie pour m'avoir donné ça. C'est un compagnon d'ailleurs qui a voyagé, selon la narration, il a voyagé des 3 jours et 3 nuits pour arriver, pour prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, imaginez cette personne-là qui marchait. Et là, elle arrive. Elle trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Peut-être que c'est la première fois qu'elle priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tellement attendu ce moment-là. Et là, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire dans Salat al-Isha. Wattini wa zaytoun wa tour sinin. Pour imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? En train de réciter le Coran. Non, c'est pas comme ces CD là que vous achetez de l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça, non. Non. Quelque chose d'autre. On parle pas de l'instrumental, on parle pas d'une voix instrumentale. On parle pas d'une voix avec l'écho, non, non. On parle d'une voix, hein? Lorsqu'il parle ici, Allah subhanahu wa ta'ala écoute. Hein? Lorsqu'il dit Allah, il fait vibrer le trône d'Allah. Hein? On parle de quelqu'un qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure connexion, le plus haut niveau de connexion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et ce compagnon, avec cette connexion, avec ce lien d'amour avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein, ça se cultive, cet amour, cet état de hamd, cet état de merci à Allah augmente dans son cœur jusqu'à lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait du ruku'a. Et la première fois, il a fait une raka'a derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a goûté à ce que cette ruku'a, hein? Cette inclination, hein? Prosternation, ruku'a, inclination. L'inclination devant Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a toujours vu les gens en train de s'incliner devant leur roi, devant le La ilaha illallah. Il s'incline à Allah, le créateur. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sami Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala écoute bien. Hein? Celui qui dit Hamd, celui qui fait Hamd d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le remercie. Hein? Hein, celui qui fait qui envoie ses louanges à lui. Hein? Allah écoute bien votre état de gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala écoute bien. Hein? Est à l'écoute de celui qui est en état de gratitude. Et là le compagnon, khalas. Khalas. Sami Allahu liman hamida. Là, subhanallah, imaginez. Allah, il est en train de m'écouter. Allah, il est en train de m'écouter maintenant. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que dire Rabbana wa lakal hamd, et tous les compagnons après lui ils ont dit Rabbana wa lakal hamd, mais lui il a continué Hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lah mil as-samawati wal ardh mil ama baynahunna min shay'in ba'd. Allah, Rabbuna ahlu thana'i wal majd.
Il n'y avait pas des robots. On n'a pas entendu ça du prophète. T'ajoutes pas des choses. Bid'a, innovation. T'ajoutes pas des choses dans la prière. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la salat, lorsqu'elle dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a parlé directement à la personne. Elle a dit, ou dans une narration, elle a dit, qui a dit ça? Il a le bédouin, il a dit, et moi, wallahi, j'avais juste une bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'aie pas peur. On n'est pas ici pour te réprimander. Je te dis ça parce que j'ai vu des anges qui n'ont jamais, c'est pour la première fois qu'ils ont descendu sur la terre. Et puis ils sont en train de faire la compétition. Hein? Qui l'écrit en premier? Qui l'écrit en premier? Qui écrit ces louanges-là en premier? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de confirmer quoi? Il est en train de confirmer qu'effectivement, Samia Allahu liman hamida. Qu'effectivement, Allah est à l'écoute de celui qui fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé effectivement. Tu as vécu l'expérience et voilà la confirmation. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute. Samia Allahu liman hamida. Samia Allahu liman hamida. Il a été inspiré par quoi? Le compagnon. Ce bédouin, selon une des narrations, que c'était sa première fois qu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fada alayhi halun nubuwa. Fada alayhi halun nabi. C'est l'état spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a débordé sur lui. Ou qui a. On peut le dire, ça peut se comprendre. L'état spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a débordé sur lui. Et mes chers frères et sœurs, la science, elle est contagieuse ou elle ne l'est pas. La science des états du cœur, elle est contagieuse. Si tu es avec quelqu'un qui a un état spirituel, c'est contagieux. C'est contagieux. Subhanallah. On cherche cette science-là. On cherche cette science-là. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous expose à ceux qui ont été exposés à ceux qui ont été exposés à ceux, 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 qui ont été exposés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a été exposé à tous les prophètes avant lui. Lui, il a été exposé à l'ange Gabriel. Lui, il a été exposé à tous les anges. Lui, il a été exposé à al-munajat direct, à une conversation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne فتوح العارفين امين لك الله سبحانه وتعالى من دون توفيق الصالحين امين يا ارحم الراحمين رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين يا نعم المولى ويا نعم النصير بسم الله تفضل نرى Il était rendu, on était rendu là plutôt. Le prophète a dit également, le meilleur des hommes est le croyant savant qui, lorsqu'on a besoin de lui, est utile et lorsqu'on se passe de lui, s'en satisfait. Allahu Akbar. La foi est nue, c'est notre idée. La foi est nue, son vêtement est la piété, sa beauté est la pudeur, son fruit est le savoir. Notre hadith. Les gens les plus proches du degré de la prophétie sont les gens doués de savoir et ceux qui combattent. Les savants dirigent les gens vers ce qu'ont apporté les messagers de Dieu, tandis que les combattants luttent par l'épée pour défendre ce message. Notre hadith. La mort d'une tribu entière est plus facile à supporter que la mort d'un savant. Et là, je demande à tous ceux qui sont présents aussi de prier pour un des plus grands savants de Palestine, de la Terre Sainte, Sidi Muhammad al-Jamal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, et qui est en train, selon ses étudiants, il est en train de vivre ses derniers souffles. Et ça se sent, wallah, ça se sent. Pour ceux qui connaissent qu'est-ce que cela veut dire, la mort d'un savant,
Hein? Subhanallah, ça se sent très bien. Ça se sent très bien. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. La mort d'une tribu entière est plus facile à supporter que la mort d'un savant. Notre hadith, les hommes sont comme les minerais d'or et d'argent. Les meilleurs au temps de l'ignorance sont les meilleurs en islam, si jamais ils deviennent savants. Notre hadith. Au jour du jugement dernier, l'encre des savants pèsera autant que le sang des martyrs. Notre hadith. Celui qui retient 40 hadiths pour ma communauté, qu'il les transmet, j'intercéderai et témoignerai en sa faveur le jour du jugement. Notre hadith. Quiconque dans ma communauté retient 40 hadiths, c'est un savant et un connaisseur qui rencontrera Dieu au jour du jugement. Notre hadith. Celui qui approfondit sa connaissance de la religion, Dieu se charge de ses soucis et pourvoit à sa subsistance d'une manière à laquelle il ne s'attendra pas. Il ne s'attendait pas. Notre hadith. Le prophète rapporte que cette sainte parole de son Seigneur, Dieu puissant et majestueux, révéla à Abraham: ô Abraham, moi je suis omniscient, j'aime chacun des savants. Le prophète dit encore: les savants, le savant est l'homme sûr et fiable de Dieu sur terre. Et un autre: les dirigeants et les savants sont deux catégories au sein de ma communauté. Si elles sont préservées, tous les gens le sont. Et si elles sont corrompues, tous les gens le sont aussi. Un autre: si un jour passé sans voir accroître ma connaissance et me rapprocher ainsi de Dieu, ce jour ne comporterait pour moi aucune bénédiction. La ilaha illallah. Le messager de Dieu, je l'ai dit, a marqué la supériorité du savoir par rapport à l'adoration, donc aux prières par exemple, et aux martyrs, en disant, hadith, la supériorité du savant sur le croyant ou l'adorateur est équivalente à la mienne sur le moins élevé de mes compagnons. Vois donc, cher lecteur, comment le prophète sallam, a rapproché le savoir du degré de la prophétie. Remarque également comment il a abaissé le niveau de l'œuvre, donc par exemple la prière, qui est dénuée de savoir. Et cela, même si l'adorateur connaît l'acte d'adoration qu'il est en train de s'imposer, car autrement ça ne serait plus de l'adoration. Le prophète a dit sallam, également: l'excellence du savant par rapport à l'adorateur, au croyant, est comparable à celle de la pleine lune par rapport au reste des étoiles. Allahu Akbar. Et un autre hadith: trois catégories d'êtres humains intercéderont le jour du jugement: les prophètes, puis les savants, et puis les martyrs. Razali dit: le prophète place ici le degré du savoir entre la prophétie et le martyr, malgré ce qui est dit sur le mérite du martyr. Hadith: il n'y a rien de meilleur que la connaissance de la religion pour adorer Dieu. Un seul savant est plus redoutable pour Satan que 1000 adorateurs. Toute chose possède un pilier, et le pilier de cette religion, c'est la compréhension de ses principes. Allahu Akbar. Notre hadith: le meilleur de votre religion, c'est la simplicité. Et la meilleure des adorations, c'est la compréhension des principes religieux. Notre hadith: le croyant savant surpasse le croyant adorateur de 70 degrés. Un autre hadith: vous vivez à une époque où les savants sont nombreux et où les lecteurs du Coran et ceux qui font des serments peu nombreux. Les mendiants sont rares et ceux qui donnent sont nombreux. L'œuvre accomplie en ce temps est meilleure que le savoir. Viendra un temps où ce sera l'inverse. Les savants seront peu nombreux. Ceux qui feront des serments seront légion. Ceux qui donneront seront rares. Et les mendiants seront nombreux. Le savoir en ce temps sera plus précieux que l'action. La ilaha illallah. 100 degrés séparent le savant de l'adorateur. L'écart entre chaque degré équivaut à la distance parcourue par le cheval en course de 70 ans. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la meilleure des œuvres. Il répondit: la science de Dieu. De quelle connaissance parles-tu? Lui demanda-t-on. Le prophète répéta: la science de Dieu le Très-Haut. On lui rétorqua alors: ne t'interrogeant sur l'œuvre et tu nous réponds sur la science. Ce à quoi le prophète répondit: certes, une petite quantité d'œuvres pieuses est profitable, si celles-ci sont accompagnées de la connaissance de Dieu. Mais beaucoup d'œuvres sont inutiles si Dieu n'est pas connu. Allahu Akbar. Enfin, ce dernier hadith: le jour du jugement, Dieu ressuscitera les adorateurs, puis les savants. Il dira:
Ô assemblée des savants, je n'ai déposé ma science en vous que pour me connaître, et non pour vous châtier. Allez, car je vous ai pardonné. Allahu Akbar. Que Dieu nous accorde une fin heureuse, dit Razel. Amin. Amin. Toujours, de quelle connaissance on parle? De quel savoir parle-t-on? Est-ce qu'on parle, hein? Est-ce qu'on parle d'un savoir digital ou d'un savoir électronique ou d'un savoir qui peut être gagné par ceux qui ont les capacités pour aller pour aller étudier à l'université ou lire des livres, etc. Non. On parle de la connaissance. Rasulullah l'a bien appelé, a dit, c'est la science de Dieu le plus haut. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance de Dieu. Hein? Connaître Dieu, c'est pas de faire abstraction de Dieu. Non. Connaître Dieu, c'est connaître ton chemin vers Dieu, c'est connaître comment parler à Dieu. Et là, sami'a Allahu liman hamidah. Et être sûr et certain que lui, il est en train de t'écouter. Le niveau de connaissance que ce bédouin, durant sa première prière, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a atteint. C'est ça la connaissance de Dieu. Hein? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sami'a Allahu liman hamidah, lui il était sûr. Là il parlait directement à Dieu. Et là Dieu a envoyé des anges pour enregistrer. Et là les anges sont en compétition qui les crie en premier. Hein? C'est ça la connaissance. On va aller lire un peu en arabe. Inch'Allah. Et puis là, on va référer à chaque hadith. On va donner la référence pour chaque hadith. Non, je vais le lire. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ad-din wa yulhimhu rushdah. Hein, tu lis le premier hadith. On revient à tous les hadiths, c'est dit. Moi, je lis en arabe, toi, tu lis en français. Bismillah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din wa yulhimhu rushdah. Aywa, bismillah. Juste après les versets, en français. Juste après les versets. Tu commences avec les hadiths. Celui à qui Dieu veut du bien, aïe, il le rend savant. Aïe, donc celui à qui Dieu veut du bien, il le rend savant dans la religion et lui inspire le droit chemin. Allahu Akbar. Hein? Il lui rend savant. Yufaqihu fi ad-din. Il lui rend savant dans la religion. Fiqh fi ad-din, on a dit, c'est pas juste le savoir, c'est pas juste l'information. Hein? C'est le savoir, c'est la connaissance. Hein? C'est pénétré, c'est vraiment, entre parenthèses, il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait la prière de Asr, l'heure a changé, et vous risquez de ne pas, hein, c'est pas vous risquez parce qu'on va finir avec la prière de Maghrib. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la prière de Asr, vous pouvez vous excuser, faire la prière, il y a une salle qui est vide, juste derrière ici, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la prière de Asr, sinon ça va pas être là. Bismillah, tafadhal. Alhamdulillah. Man yurid Allah bi khayran yufaqihu fi ad-din. Wa yulhimhu rushda. Donc il y a deux choses dont nous avons besoin. Al-fiqh fi ad-din wa rushd. Deux choses. Hada fahm an-nabiyyin wa hifdh al-mursalin. C'est ça vraiment la compréhension des prophètes et la protection des messagers. الله يشركني معاكم الكل في الأجر إن شاء الله الحمد لله ما شاء الله donc فهم النبي la compréhension des prophètes et la protection des messagers يفقهه في الدين فقه في الدين c'est vraiment avoir la compréhension c'est vraiment pénétrer dans le hein c'est vraiment savoir pénétrer savoir dans le cœur de l'information et ne pas rester au niveau de l'écorce de l'information, c'est vraiment chercher la formation derrière l'information,
C'est vraiment chercher le cœur derrière l'écorce. Ok ? هذا الفقه في الدين. Mais nous avons besoin d'une deuxième chose. الرشد. يلهمه رشدة. C'est quoi يلهمه رشدة en français, c'est dit ? Le droit chemin. Il lui donne la maturité. الهام رشد. Et il lui donne la maturité. الهام رشد, c'est qu'il lui donne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la maturité. Le droit chemin, donc il ne. الرشد, ça vient de rachada. Le mot rushd en arabe vient du mot rachada. Est-ce que vous savez c'est quoi al-rachada? C'est la roche. C'est pour ça on dit pierre. Et c'est le nom pierre, le nom sakhr, le nom rachid, le nom thabit, les prénoms thabit, rachid, pierre, sakhr. C'était des prénoms qui ont été aimé et célébré par les prédécesseurs, parce que ça veut dire que faire. Et ne. On dit tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Subhanallah, si on peut comprendre qu'est-ce que notre maître Aïssa alayhi salam voulait dire par ça. Tu es pierre, et sur cette pierre je ne bâtirai ma mosquée, je ne bâtirai mon temple que sur cette base-là. La base de. La base de la compréhension de la religion est la fermeté. Ne pas changer avec le temps. Parce que les êtres humains aujourd'hui sont à l'aise, ils veulent ci, ils veulent ça, on va changer. On va changer. Année après année, on change, non. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, ça veut dire je bâtirai mon temple ou mon institut religieux ou ma legacy, mon héritage sur une pierre qui ne bouge pas, sur une pierre solide, sur une roche qui ne bouge pas. Had al-Rashad. Le mot rushd en arabe vient de rachada, vient de la roche, ça veut dire, ça fait allusion à la fermeté. Et ça veut aussi dire qu'à l'enracinement. L'enracinement profond, parce que si l'arbre est bien enraciné, là il est ferme. هذا الرشد ويلهمه رشد يعني يلهمه الثبات. يلهمه الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. C'est ça, lorsqu'on dit à Allah, ne bouge pas nos cœurs, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. C'est ça. بسم الله. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم العلماء هذا الحديث الأول هذا قال موجود في الطبراني في الكبير والحديث الثاني العلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان هذا في صحيحه من حديث أبي الدرداء بسم الله الله أكبر les savants sont les héritiers des prophètes les savants sont les héritiers des prophètes. Là, vous comprenez pourquoi, si tu es en train d'étudier le savoir, tu dis « Allahumma nas'aluka fahma nabiyyin ». Si tu veux hériter quelqu'un, tu dois avoir sa compréhension à lui. Tu peux pas hériter quelqu'un comme ça. Tu dois l'hériter, tu dois être connecté, tu dois avoir les outils pour pouvoir l'hériter. Si ton père est un commerçant, et tu veux hériter son commerce, tu dois apprendre à faire le commerce, sinon tu vas déclarer faillite. Dès le début. Ou tu dois vendre et changer de métier. Fahm al-Nabiyyin. L'ulama wa warathat al-anbiya. Pas seulement dans l'honneur, mais dans tout. Dans l'ibtila aussi. Lorsque l'imam al-Ghazali est au début, est-ce que vous savez combien de gens ont traité l'imam al-Ghazali de kafir, de mécréant? Ils ont compté plus que 1500 savants de l'époque d'Imam al-Ghazali qui ont signé que l'Imam al-Ghazali, pour nous, c'est un... C'est un mécréant, khalas. Soufi, Qubouri. Grave worshipper. Adorateur des tombeaux. Astaghfirullah, l'ahad, l'ahad. Fou.
Majnoun, c'est quoi l'autre? C'est juste ceux qui sont juste les nouveaux musulmans, les convertis, et puis les sœurs qui ne sont même pas, qui ne connaissent même pas leur religion, la preuve en est, elles portent même pas leur hijab. Ce sont ces gens-là qui viennent à votre cours ou qui vous suivent. Ça a été dit à tous les prophètes. L'ulama wa rathat al-anbiya. Taba'aka sufaha. Ah, tous les prophètes, ils ont dit, oh, ce sont les faibles qui vous ont, hein, qui vous ont suivi. Ce sont ceux qui n'ont pas une intelligence, ce sont les jeunes qui vous ont suivi. À chaque époque, le ulama, c'est la même affaire. À chaque époque, ça renouvelle. Le ulama wa rasul al-anbiya, qalu hatta fil ibtila. Même dans les tests. Bismillah. Le hadith الثالث. قال يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض. Tous les habitants des cieux et de la terre demandent pardon pour le savant. وهذا du même hadith de Abu Darda. ثم قال الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع الملوك حتى يدرك مدارك الملوك. La sagesse ajoute de la noblesse au noble et élève l'esclave jusqu'au degré des rois. وترفع المملوكة حتى يدرك مدارك الملوك. هذا حديث مثلا بإسناد ضعيف. هذا حديث سيسلون التوقيت اللي سيدنا أنس بن مالك مي سيرواه أبو نعيم إلى son livre الحلية. Il y a plusieurs de hadith qui sont on parle qui ont un إسناد ضعيف qui n'est pas صحيح que أبو نعيم donne. Mais on a parlé de hadiths qui sont mawdou' l'autre fois, on parle de hadiths da'if aujourd'hui. Hadith da'if, les hadiths da'if, il y a une règle que lorsque nous avons plusieurs hadiths da'if qui parlent du même sujet, là, et si nous avons, ça renforce, et si nous avons un hadith da'if qui vient juste appuyer un hadith qui est sahih, là, on. Il n'y a pas du mal à l'utiliser. Et les ulama, les savants, ont toujours dit que dans ce qu'on appelle fadail al-a'mal, dans ce qu'on appelle l'encouragement à faire les bonnes œuvres, etc., l'utilisation de hadiths qui sont da'if n'est pas quelque chose qui est mal vu ou n'est pas quelque chose qui est mal vu. Il y a des gens, j'ai entendu cette opinion. Subhanallah, il y a des sur. Ah, Imam al-Ghazali, wallah, il avait une bonne intention, mais il n'était pas savant de hadith. C'est pour ça qu'il a utilisé des hadiths qui sont da'if. Subhanallah. Ça ne fait même pas. Imam al-Ghazali, on cherche là. Il y a des gens qui disent, oh, Imam al-Ghazali, parce qu'il a fait, il a utilisé des hadiths qui sont da'if, là, il est out. On n'accepte même pas. Et puis il y a des gens, là, il avait une bonne intention, mais lorsque tu trouves les hadiths qui sont da'if, tu dois les enlever. Là, notre maître qui est Habib Omar ibn Hafid, avec lui, nous avons étudié l'Ihya. Lui, il a fait l'exercice d'enlever tous les hadiths qui sont da'if, juste pour la curiosité. Tous les hadiths qui sont da'if ou qui sont mawdou', du chapitre Al-Muhdikat de Ahya Ulumuddin. Et ça n'a rien changé dans le livre. L'imam al-Ghazali n'a pas bâti la structure, n'a pas bâti le cœur du livre sur des hadiths qui sont pas authentifiés, que tu ne peux pas trouver dans le Sahih, dans un des livres de Sahih. Non. Toujours, il commence avec les versets du Coran, comme nous avons vu, avec des hadiths, dont la majorité sont des hadiths qui sont sahih. Et puis, il introduit des hadiths qui sont da'if, et même des akhbar. Nous avons parlé de ce que cela veut dire akhbar l'autre fois. Des hadiths qui sont parfois mis à l'écart, etc. Mais ça, parce que ça vient juste appuyer
ça vient juste appuyer ce que Imam al-Ghazali, ça vient juste appuyer ce que les autres hadiths disent. Ça vient pas ajouter, ça vient juste appuyer. Les savants, ils ont dit, il n'y a pas du mal dans ça. Avant Imam al-Ghazali et après Imam al-Ghazali, les savants de chaque époque ont continué à faire recours à ces hadiths-là. Hein? Et à les expliquer. Ibn al-Qayyim a bien a utilisé ces hadiths-là. Il y a un savant qui a vécu à l'époque d'Imam Ahmed bin Hanbal. Il a écrit un livre, l'a donné à Imam Ahmed bin Hanbal, lui a dit, voilà, j'ai écrit ce livre-là. Imam Ahmed, au début, il a dit, je pense bien que c'était l'Imam Ahmed, j'espère que je ne suis pas dans l'erreur. Et il a dit au début, je ne peux pas le lire parce que tu as mentionné des hadiths qui sont da'if là-dedans. Et là, le savant lui a dit, toi, tu as voulu le lire avec des yeux de critique, mais moi, je l'ai lu avec des yeux du cœur, pour en bénéficier, et ça a changé ma vie. Et là, Imam Ahmed l'a repris, et l'a relu, il a dit, effectivement, ça a changé ma vie. Donc, utiliser des hadiths qui sont da'if, pas dans l'aqidah, pas dans le domaine de aqidah, de doctrine, ou dans le domaine de théologie, de foi, ou dans le domaine de sharia aussi, dans le domaine qu'est-ce que tu fais dans la prière, etc., qu'est-ce que tu fais pas, mais dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, dans ce qu'on appelle les bonnes œuvres et la bonne conduite, l'akhlaq, etc., si un hadith da'if ne contredit pas un hadith qui est sahih, il n'y a pas un problème, hein? Il n'y a pas un problème dans l'usage de ce type de hadith-là. C'est ça l'opinion des ulama avant Imam al-Ghazali et après Imam al-Ghazali. Et c'est pour ça Imam al-Ghazali les a utilisés. Bien que l'Imam al-Ghazali, lorsqu'il a écrit le livre de l'Ihya ul-Muddin, il a fini juste avant sa mort. Ce qu'il voulait faire, ce que les savants après lui ont fait maintenant, c'est pour dire ce hadith-là, il est sahih, ce hadith-là, tu peux le trouver dans Al-Bukhari, ce hadith-là, tu peux trouver dans Muslim, ce hadith-là, tu peux trouver dans le Musnad de Imam Ahmed, ce hadith-là, tu peux trouver dans Abu Dawud, ce hadith-là, tu peux trouver chez At-Tirmidhi, ce hadith-là, c'est la référence. Imam al-Ghazali, lorsqu'il a écrit Ihya ul-Muddin, n'a pas donné la référence. Avec son khatiyat, n'a pas donné la référence, et puis il est mort, il était décédé radiyallahu anhu avant de faire la référence. C'est pas parce qu'il voulait, s'il savait que ces hadiths là n'étaient pas des hadiths qui étaient sahih, il les aurait enlevés ou quelque chose comme ça, non, parce qu'il ne serait pas un savant s'il fait ça, parce qu'on peut utiliser ces hadiths là dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal s'ils ne viennent pas contredire un hadith qui est sahih. Un hadith qui est da'if, on n'est pas sûr que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle da'if. On l'appelle pas mauvou, on ne l'appelle pas à l'écart. Il y a toujours une possibilité que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, qui l'avait dit. Donc, قَالُوا قَدَاسَةُ الْأَحَدِيثُ ضَعِيفَ هِيَ نَفْسُهَا قَدَاسَةُ الْأَحَدِيثُ صَحِيحَ يَكْفِيكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des jeunes aujourd'hui, tu commences, tu finis, tu ne laisses même pas finir le hadith. Tu es dans le début du hadith. Al-jinnah tu tahda, wado. Attends. J'ai pas fini. Al-jinnah tu tahda aqdam al-ummahat. Ok. Le paradis est sous les pieds des mamans. Tu veux pas, tu n'aimes pas cette parole-là. Et même si ce n'est pas un hadith. Et même si ce n'est pas un hadith, il n'y a pas des versets qui te le disent. Et qui disent encore plus que ça. Anushkurli wa li walidayka. Sayyidna Isa wa barram bi walidati wa la maj'alni jabbaran shaqiyya. Hein? Sayyidna. Non, on n'a pas besoin que le hadith soit sahih parfois pour. Dans des choses comme ça, ce sont des sans savoir universel, ce sont des choses que le Coran répète. Oui, il veut traduire ce que vous venez de dire. Oui, comme le paradis, il y a un hadith
Hadith, ça veut dire ce que, quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il y a quelque chose que nous tous, par exemple, on sait que c'est, on pense que c'est un hadith, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il y a une possibilité. Sauf que les savants n'ont pas trouvé la chaîne d'authentification jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous avez dit de parler d'histoire de dessous des pieds des mères. Tout de suite après, vous avez dit des phrases en arabe. Ah, il y a des versets dans le Coran qui disent exactement la même chose. Hein? Qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de remercier moi, hein? Soyez reconnaissant envers moi et envers vos parents. Subhanallah. Les deux, soyez reconnaissant envers moi et envers vos parents. Donc de dire que le paradis est au-dessous des pieds des mamans, ça fait juste redire ce que le verset dit. C'est-à-dire, lorsque tu es bien avec ta maman, Si tu es reconnaissant envers ta maman, tu as déjà garanti ton paradis. Parce que c'est comme si le ticket du paradis est dans la main de ta maman. Si tu es reconnaissant envers ta maman, là, elle va te donner ce ticket-là. C'est presque ça. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. C'est ça ce que le hadith veut dire. Le paradis est au-dessous des pieds des mamans. Est-ce qu'il y a quelque chose du mal dans ce hadith-là? Subhanallah. Ça fait changer des vies. Hein? Ça fait tomber des larmes. Ça fait rebâtir des familles. Hein? Ça fait ramener des jeunes à leur maison. Il y a rien de mal dans l'usage de ce hadith-là, même si c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disons, c'est un sage qui l'a dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et de ses parents, celui qui l'a dit, même si c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ok. Les ulama et les savants, ils ont dit, même si tu es savant de hadith et quelqu'un devant toi est en train de parler, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis il est en train de dire quelque chose, et puis ce hadith-là, par exemple, que lui, il est en train de dire, toi, tu es certain que les savants de l'authentification de hadith, ils n'ont pas trouvé que ce hadith-là, ils ne sont pas sûrs que le prophète l'a dit, donc ils ont dit, da'if, faible chaîne, une chaîne qui est faible, ou qui est moyenne, qui n'est pas une chaîne forte d'authentification. Qadasat al-hadith al-da'if, hi nafsuha. C'est-à-dire, il faut avoir l'attitude, la même attitude. Lorsqu'on te dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis sallallahu alayhi wa sallam. Et soyez en état de réceptivité. Peut-être il y a quelque chose de sagesse qui va te bénéficier. Et après ça, tu peux dire, tu peux classifier le hadith, tu peux dire à droite ou à gauche ou quelque chose comme ça, mais il faut toujours être à l'écoute. Hein? Parce qu'il y a toujours une possibilité que ce hadith-là, même si les ulama, même si les savants ont dit ce hadith-là, la chaîne, elle est faible, il y a toujours une possibilité que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, qu'il a dit. Et ça transmet une connaissance prophétique. Ça transmet une connaissance prophétique. Donc cet état de paranoïa que nous avons aujourd'hui, cet état d'alerte que nous avons d'aujourd'hui, suspicion, il est là et puis il est en train d'attendre quand est-ce que tu vas dire un hadith que lui, il connaît. Il a des étudiants de religion 2 mois après leur conversion à l'islam. Le premier livre qu'ils vont mémoriser, c'est le da'if. Le hadith da'if ou le madhu'a que l'Albani a fait. Le hadith qui sont faibles et le hadith qui sont entre guillemets fabriqués, nous avons expliqué l'autre fois que un des savants de hadith a collecté, a fait cette collection-là. Ils vont directement à ce livre-là, et puis dans chaque halaqa, puis ils sont ça. Ils vont directement, ils sont très contents. Ah, mon père, tu as toujours utilisé ce hadith-là. Ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas un hadith. Qu'est-ce que le verset te dit? J'ai vu un enfant avec sa maman. Allah al-Wahd al-Ahad. J'ai vu un enfant avec sa maman. Allah, maintenant il est content. Sa maman toujours lui dit, Yaoulidi, jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est sous les pieds des mamans. Le paradis est sous les pieds des mamans. Et là, il était très content lorsqu'il a trouvé que le hadith, le paradis est sous les pieds des mamans, ce n'est pas un hadith authentique. Il est revenu chez sa maman. Hein? Tu m'as enseigné la fausse religion. Allahu Akbar. Bid'ah,
innovation. Mais c'est Olivier, dis-je, rotlek. Tu m'as toujours dit que le paradis est au-dessous des prières des mamans, mais ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai, Olivier? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas un hadith. J'étais là, subhanallah, je dis, où est-ce que tu es? J'étais là, je lui ai dit, et qu'est-ce que. Dans chaque famille, ça s'est infiltré, ces choses-là. Je lui ai dit, qu'est-ce que le verset te dit? Est-ce que le Coran qui est sahih, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus sahih que le Coran? Est-ce que le Coran te permet de parler à ta maman comme ça? Est-ce que le Coran te permet de parler à ta maman comme ça? Vous comprenez, mes chers frères et sœurs, l'ilm, c'est une aptitude où il n'est pas. L'ilm, la science, c'est une aptitude. Ou il n'est pas. Ce n'est pas de l'information, c'est une aptitude. C'est pour ça qu'on dit les ulama, warathatu l'anbiya. Bismillah. Bismillah. Nous disons 5 secondes, on a dit 4 heures de l'asala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, khaslatani la takunani fi munafiq, husnu samti, wa fiqhun fi d-din. Iwa. Wa hadha mathalan, ذكرناه المرة الفاتة وقلنا وتحدثنا فيه وقلنا هذا حديث يعني غريب هذا حتى أقل من ضعيف شوي بسم الله. L'existe deux caractéristiques que l'on trouve pas chez l'hypocrite, être agréable à voir et comprendre les principes de la religion. On était mis d'accord avant de vous dire c'est quoi ça. On était mis d'accord que il y a rien de mal dans ça. Subhanallah, effectivement, être agréable à voir le haïb, à voir la lumière de din, et puis husnul samt aussi, c'est être agréable à l'akhlaq. Samt, c'est pas juste un physique. L'apparence en arabe, ça réfère pas seulement à l'apparence physique, ça réfère aussi au caractère. Husnul samt, ça veut dire la bonne apparence et la bonne conduite. Et c'est quoi la deuxième chose, c'est dit? Et les comprendre les principes. Et la compréhension des principes de la religion. Ces deux choses-là, je ne les trouve pas chez un hypocrite. Je ne les trouve pas chez un hypocrite. Subhanallah. Hein? La ilaha illallah. Naam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, afdhalu an-nas al-mu'min al-'alim alladhi in ihtija ilayhi nafa' wa in istughniya 'anhu aghna nafsah. Le meilleur des hommes est le croyant savant qui, lorsqu'on a besoin de lui, est utile et lorsqu'on se passe de lui, s'en satisfait. هذا يعني بالنسبة للذي يفهم علم الحديث pour ceux qui comprennent, mais sinon on va pas s'attarder sur ça beaucoup. Aussi, c'est un hadith selon la majorité des savants de hadith qui n'est pas sahih, qui est daif. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans? On est en train de démystifier une notion, est-ce que vous comprenez? On n'est pas en train de défendre et de vous dire, hey, allez maintenant, tous les hadiths qui sont daif sont bons et tous les hadiths qui sont maudoua sont bons. On est en train de démystifier quelque chose. On est en train de démystifier quelque chose parce que nous vivons dans une époque où il y a cette paranoïa-là. Hein? Et cette paranoïa-là ne te laisse pas savoir, ne te laisse pas comprendre, ne te laisse pas accepter. Hein? Il y a des gens, il y a un grand public qui s'empêche, puis qui sont en train de s'écrire des emails et des choses de Facebook pour ne pas venir à cette classe-là, tout simplement parce que l'imam al-Ghazali utilise des hadiths qui sont daif et maudoua. On n'est pas en train de défendre ça, mais on est en train de démystifier la notion. Hein? On est en train de démystifier la notion. Parfois, effectivement, il y a un hadith qui est maudoua ou un hadith qui est daif qui devient très problématique. Hein? Hein? Dans la relation entre le couple, il y a plusieurs hadiths qui parlent de la hiérarchie entre hommes et femmes. Hein? Et puis, plusieurs hadiths qui sont effectivement mandoua. Ça vient de la culture des gens, et puis qu'ils les ont glissés, ou ça a été glissé peut-être par bonne intention ou mauvaise intention, hein? dans les livres des savants, etc. Oui, il y a des hadiths daif qui sont problématiques, oui. Il y a des hadiths mandoua qui causent des problématiques, oui. Mais pas tout. Lorsque j'ai étudié le livre que je vous ai mentionné tout à l'heure, statistiquement, 95% des hadiths qui sont dans ce livre-là sont agréables à voir, agréables à lire, agréables à utiliser. Et puis, par expérience, ce sont les hadiths qui font bouger les cœurs, qui font vibrer les cœurs et qui font toucher le sentiment, subhanallah.
et qui peuvent changer une vie parce que il y a de l'art qui a été mis là-dedans. Il y a de l'art qui a été mis là-dedans. Oui, ça a été. Ça, mais ça transmet le savoir prophétique. Ça ne vient jamais à l'encontre d'un hadith qui est sahih. Ou ça ne vient pas, c'est pas jamais. Excusez-moi. Ça ne vient pas à l'encontre de hadith qui est sahih ou à l'encontre d'un verset du Coran. Hein? Donc on n'est pas de puritains. On ne doit pas être de puritains et aller vraiment. Il y a des gens qui pensent que le savoir religieux, c'est vraiment aller étudier la science de hadith et puis faire de sa vie la mission, hein, faire de la mission de enlever le hadith qui sont daïfs au mandat de l'usage, de sa mission, subhanallah. Il y a plusieurs jeunes qui se perdent là-dedans. Wallah, il y a plusieurs jeunes qui se perdent là-dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Non, ne perdez pas votre temps là-dedans. On est en train de démystifier une notion et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous, inshallah. C'est pour ça que je prends un peu le temps pour vous dire ces hadiths-là que vous êtes d'accord avec. Ok? Et après, ce n'est pas le prophète qui l'a dit. Disons, on ne peut pas garantir parce que les ulama, ils ont dit hadith da'if. Ok? Même si, c'est dit, khalina qulu. Disons, je te dis, Einstein l'a dit. Qui n'est même pas un musulman. Est-ce que tu vas le rejeter? Afdal al-nas al-mu'min al-'alim alladhi in ihtaja ilayhi nafa' wa nastaghni 'anhu aghna nafsa. Ah, akhra, akhra. Le meilleur des hommes est le croyant savant. Lorsqu'on a besoin de lui, il est utile et lorsqu'on se passe de lui, il s'en satisfait. C'est une parole de sagesse. Je peux l'accepter même de Bouddha ou Einstein. J'ai même pas besoin que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est une parole de sagesse. Vous comprenez donc la notion. Bismillah. نعم قال صلى الله عليه وسلم الإيمان عريان ولباس التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم أيوة la foi est nue son vêtement et la piété sa beauté et la pudeur et son fruit et le savoir أيوة هذا حديث ضعيف mais ça a été dit exactement sur la langue de سيدنا عيسى صحيح tu peux trouver exactement depuis les paroles de sagesse il y a un livre que Ibn Kathir dans son livre Al-Bidayah wa Nihaya, il y a un chapitre qui parle des paroles de sagesse de Sayyidina Isa, alayhi salam, de notre prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Et lui, il a dit ça. Al-Iman al-Uriyan, wa libasu al-Taqwa, wa zinatu al-Haya, wa thamratu al-Ilm. C'est une parole de sagesse qui est très profonde. Même si ce n'est pas un prophète qui l'a dit, disons un saint, disons un savant qui l'a dit, disons c'est moi qui l'a dit, disons c'est ta maman qui l'a dit, c'est quelque chose qui est profond. C'est une parole de sagesse, subhanallah. Hein? Dis-la encore en français, s'il te plaît. Le meilleur des hommes est le non, l'Iman al-Uriyan. Oui, la foi est nue. Son vêtement est la piété, sa beauté est la pudeur, et son fruit est le savoir. Allahu Akbar. Donc, le savoir, c'est le fruit de l'Iman. Là, ça te donne que la foi, c'est pas une dogme. Je vais finir avec ça. La foi, c'est pas une dogme, mes chers frères et sœurs. La foi, c'est un arbre vivant. La foi, c'est un arbre vivant. Ce n'est pas une idéologie. Hein? Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas quelque chose qui te rend fanatique, non. Ce n'est pas quelque chose qui te rend mort, non. C'est quelque chose qui te donne la vie. Hein? C'est un arbre vivant. Ça donne des fruits. La foi, c'est un arbre vivant qui donne des fruits. C'est quoi les fruits de la foi? C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Et puis, c'est quoi le feuillage? Le feuillage. Le feuillage de la foi. Là, je disais ça à toutes les mamans des convertis. Par exemple, s'ils se convertissent à l'islam, ils viennent à la maison ou à toutes les mamans qui sont moins pratiquantes que leurs enfants commencent à pousser des barbes, à devenir très pratiquants. Prenez ce hadith-là comme test. Ton enfant, il te dit, moi j'ai une foi, ma foi elle est en train d'augmenter. Ok. Est-ce que cet arbre-là a du feuillage ou non? Hein? Le feuillage, le hayat. Hayat. Pudeur. Hein? Est-ce qu'il devient de plus en plus arrogant ou il devient de plus en plus humble? C'est ça le test. Le verset te le dit. Si quelqu'un il est en train de vraiment apprendre sa religion, de vraiment s'approfondir dans sa religion,
de vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver qu'il devient jour après jour de plus en plus humble. Si jour après jour tu le trouves de plus en plus arrogant, la ilaha illallah, il n'est pas guidé, il n'est pas dans la guidance. On prie pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Hein? La foi ne donne jamais le fanatisme. La foi ne donne jamais le fanatisme. La foi ne s'exprime jamais à travers le fanatisme. La foi ne s'exprime jamais à travers le manque de tolérance. Le plus de foi que tu as, le plus tolérant que tu deviens. Le moins tolérant que tu deviens avec toi-même, le plus tolérant que tu deviens avec tout le monde. Le plus de foi, jour après jour, si tu es sur le bon chemin, jour après jour, tu es de plus en plus humble, tu es de plus en plus reconnaissant, tu es de plus en plus souriant. Subhanallah. Un maître était avec ses étudiants. Hein? Vous avez vu les gens en train de célébrer Halloween hier. C'est passé, il a dit, subhanallah, regardez, il a dit, une des étudiantes à Ottawa, elle a dit, ces gens-là, ils portent des costumes comme des idiots, etc. Elle a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le bonheur de l'au-delà comme il leur aurait donné le bonheur de cette vie, Inch'Allah. Qu'Allah leur donne le bonheur de cette vie de l'au-delà. Il y avait un savant de religion qui était avec ses étudiants, Imam Ahmed bin Hanbal. Il était avec ses étudiants. Ses étudiants, lorsqu'il y avait des jeunes sur un bateau en train de chanter et de jouer le tambour, peut-être ils avaient une danseuse, ils avaient quelque chose avec, je ne sais pas, mais c'était quelque chose comme ça. Et puis l'élève, il a dit, Sidi, est-ce que tu peux faire une prière contre ces gens-là pour que leur bateau se noie? Il a dit, pourquoi? Et on dit, pourquoi mon fils tu veux que je prie contre eux? Il a dit, regarde, c'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de faire leur bateau flotter sur l'eau et ne pas se noyer, et malgré ça ils sont dans un état d'insouciance. Regarde comment ils sont en train de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala sur sa mère. Mon fils, désobéir Allah subhanahu wa ta'ala sur la mer ou sur la terre, c'est la même affaire. Mais je vais prier pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Hada al-fiqh fi-d-din. Hada al-fiqh fi-d-din. Hada, c'est pas Islam light. C'est pas de l'Islam light. Ça, c'est de l'Islam dur et pur. Ok? Ça, c'est le vrai islam radical. Ça, c'est le vrai islam radical qui s'enracine. Ok? Être tolérant. Et ne pas bouger. Et ne pas juger. Enseigner. Aimer. Transmettre le savoir ce que vous pouvez. Prier pour les gens. Et tu peux changer les états de toute une humanité avec une seule prière. Ce que tu peux changer avec une prière, tu ne peux pas changer avec ta parole. Tu n'es pas content avec l'état du monde. Tu souffres pour eux. C'est vrai. Pleure pour eux. Combien de fois tu l'as fait? Pleure pour eux. Tombe en prosternation. Ya Rabbi, guide ces gens parce qu'ils sont mal guidés. Comme ton prophète l'a fait. Quand ton prophète l'a fait, tu veux être wealth, tu veux être un héritier, fais-le. C'est ça l'héritage. L'héritage, c'est pas de prendre les versets, prendre le hadith, commencer à attaquer les gens à tort et à travers avec le hadith. Qu'est-ce que tu fais? Et même si ce verset, c'est un verset sahih, la sœur, elle veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu viens la juger avec le Coran. Elle essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a besoin de se sentir aimée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu es loin. Tu es loin. C'est pas elle qui est loin. On ne vient pas à votre classe parce que les hommes et les femmes sont mélangés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sans mélanger? Excusez-moi. Je vais donner une réponse en public.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La ilaha illallah. Est-ce que depuis quand c'est un péché? Il y a des préférences. Et selon le contexte. Selon le contexte. Je peux enseigner dans un contexte là où il y a un rideau. Ceux qui ont visité le Mossad là ou l'institut, le petit institut, là où il y a un rideau. Les hommes ne peuvent même pas voir les femmes. Je peux enseigner dans un contexte pareil. Et c'est quoi le problème? Et vous, vous avez le droit de garder les femmes? Hein? Toi aussi, tu as... Non, la personne qui a dit ça. Hey, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hein? Il y a des contextes. Il y a des contextes. Nous sommes appelés à venir et à faciliter. Voilà le hadith d'Akhar qui parle de Yusuf, qui parle de la simplicité dans la religion en Yusuf. Ce n'est pas la simplicité, c'est le Yusuf, c'est-à-dire le... faciliter les choses pour les gens, faciliter les choses pour les gens. Les gens sont comme des orphelins aujourd'hui. Ils veulent se sentir acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent se sentir parce que si tu ne facilites pas les choses pour les gens, Wallah al-Wahd al-Ahad, lorsque l'Antichrist va venir, il va venir avec les slogans du christianisme. Il ne va pas venir avec le christianisme. Lorsque l'Antichrist va venir, il va venir avec les slogans. Hein? Les slogans. Lorsqu'on dit slogan, ça veut dire pas la vérité. Il ne va pas venir avec la vérité du christianisme. Non, il va venir avec les slogans du christianisme. Dieu est votre père. Dieu vous accepte comme vous êtes. Venez, venez. Si nous sommes en train de faire mal à nos frères et sœurs, ils vont tomber dans ce piège-là. Nous sommes juste en train de les préparer pour que l'Antichrist les chasse et les prenne comme ça. La ilaha illallah. Lorsque l'Antichrist va venir, il ne va pas dire que je suis l'Antichrist. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il est le Christ. Il va dire qu'il est le Christ. Il va dire qu'il est le Christ. Il va utiliser les symboles et les slogans du christianisme. Ça ne veut pas dire que les chrétiens d'aujourd'hui sont sur les pas de l'Antichrist, mais non. Je ne dis pas ça, mais lui, il va utiliser les slogans du christianisme. Hein? Parmi ces slogans-là, faites comme vous voulez, Dieu vous accepte comme vous êtes, etc. Mais des slogans, ce sont des vérités. Mais lui, il va les utiliser comme des slogans, comme du marketing. Hein? Une phrase qui est vraie. Oui, Dieu t'accepte comme tu es. Effectivement, Dieu t'aime. Lorsque je lui dis Dieu t'aime, oui, il t'aime. Une parole de vérité. Sami Allahu liman hamida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est à l'écoute. S'il ne t'aime pas, pourquoi il est à l'écoute? Il est à l'écoute de ses bien-aimés. Pourquoi il est à l'écoute alors, s'il ne t'aime pas? Mais nous sommes mieux de transmettre le message de vérité, un message qui est pur et dur et radical. Radical, hein? C'est pas fanatique, mais radical, bien enraciné, hein? Avant que les choses, au lieu de préparer nos enfants et nos frères et nos sœurs pour être chassés par la hawla wala quwwata illa billah, ou péchés par les déviations, la hawla wala quwwata illa billah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.